Alors bonsoir tout le monde, là nous sommes en direct avec Israël et Michel. Alors ils vont nous parler de la situation qui se passe aux Antilles ou plus exactement en Guadeloupe. C'est à vous. Bien bonsoir les peuples. Donc déjà là nous nous positionnons à Nation à Paris. Nous rapportons les autres pour nous Guadeloupe. Un grand soutien. Mobiliser aussi à Paris pour soutenir les autres en Guadeloupe. Ce qui a fait en Guadeloupe, là, quand on a dit depuis un petit moment, quand on a dit depuis un moment aussi, c'est-à-dire que c'est goutte d'eau là qui fait déborder vase là, quand on a dit en France. Donc, le peuple a déjà ni marre de la situation sociétale là, pas ni de l'eau. Donc, gros problème sociétal en pays là. L'hôpital public pas qu'à fonctionner. Donc le peuple a révolté, le peuple a dit on y marre, donc il est sorti d'Europe pour réclamer droit, yo, réclamer justice bah, yo. On va prendre le relais. Donc du coup, depuis choquant là, c'est moi c'est problème à de l'eau là. Parce que depuis en fait, le problème à de l'eau. Et apparemment. Ça n'a pas prêt d'arrêter parce que les travaux n'ont pas qu'à avancer. Et du coup, quand nous venons à une situation, nous prenons des gens qui arrêtent quasiment des semaines sans de l'eau. Moi, je trouve ça vraiment inadmissible parce que normalement, l'État est censé fournir 3 litres d'eau par habitant par jour. Là, on n'a pas de l'eau. Donc, il y a des petits collectifs qui mettent en quête de réparer tout là, ça, et en cas de soutien de l'eau. Mais c'est pas partout que ça a respecté. Donc, en termes que ça. Que le système d'approvisionnement des eaux de tout le monde passe à la normale. Pour ça, tout le monde qui a mis de l'eau, nous pouvons viser à raconter si vous avez de l'eau à la commune ou pour boire de l'eau et tout. Donc, après ça, notre problème là, c'est l'hôpital là. Que, bon, ça dans une situation de stagnation. Apparemment ça a avancé, mais bon, le nouveau hôpital a toujours pas ouvert. Donc avancé là très sommaire. Donc moi, en ce moment, moi je vois beaucoup. Dès qu'il est ouvert, je ne peux pas aller. Parce que peut-être dès qu'il est ouvert, il y a rien dans nos poussins. Et tout. Après l'autre problème là qui a marqué moi aussi en l'eau, c'est tout ça qui est alentour les routes. Ils n'ont pas fait de nouvelles routes. Mais à un moment, il y a un trou à dents. Donc, ça même, pas mal de haut, si vraiment c'était la peine de faire route, il n'y aurait pas qu'un trou à dents. Donc, ni trop de problèmes en voisin. Pas de problème. Après, vous pouvez prendre la suite. Donc, à propos de l'assainissement de l'eau, là, moi, je crois que faut pas attendre l'État français pour assainir à Yébanou, un pays là. Je ne pense que ni monde qui est intelligent, ni monde qui est en technique, en savoir-faire, que je peux mettre mes mains dans ça pour ranger le problème là, eux-mêmes. Ni ingénieur pour ça. Je pense que peut faire appel aussi à d'autres compétences pour réparer ça nous-mêmes. Moi-même, si c'est il faut moi descendre au pays, mettre mes mains dans mon paradis, descendre faire. Hein. Si c'est pour nous mettre en noir dans ça, monter des équipes de travail, nous pouvons faire ça nous-mêmes. Parce que moi, j'ai grandi à l'époque en bas Bijengwa. Qu'est-ce que Bijengwa? Bijengwa, c'était des groupes de monde qui te mettaient ensemble pour te travailler agriculteurs, travail terre. Donc nous pouvons faire même biter là dans même l'esprit là, ça, en l'esprit coup de main. Donc en l'esprit coup de main, la liberté, ou pas demander la liberté, là où vous avez liberté. La liberté, vous pouvez arracher ça. Donc, nous pouvons faire débuter nous-mêmes sans pour cela attendre l'État français. Donc, nous demandons à l'État français de déclencher un plan hors sec. Est-ce que j'avais l'État à déclencher un plan hors sec? Eh bien, nous déclenchons un plan hors sec là nous-mêmes. Montrez que nous ne pouvons pas attendre si vous, et que nous pouvons faire ça nous-mêmes. Donc, moi, en tenant mot, ça dissipe l'ordre de compte là. Ça, franchement, c'est le problème pour moi qui
limite majeure et que tout le monde en France pas au courant à cas qui chlordécone quand il y a poisson de nous il y a chlordécone depuis non. Donc en fait monter et mais que chaque monde a un entourage à yo parler des collègues des problèmes là ça parce que moi regarde comment c'est fait en travaillant moi et c'est mon a surpris que yo projet dans ça dans bon média français et que en fait yo pas savent que chlordécone a provoqué pratiquement 95% de cancer aux Antilles alors que dans le monde c'est le taux d'incidence du cancer est de 10%. Donc ça veut dire vraiment qu'on a fait l'eau mal. Donc parler ça à l'entourage, vous qui en France, parler de ça pour ouvrir la population là. C'est important. Mais Israël m'a bien demandé comme question. Au niveau de la mobilisation, on a fait un café, pour qui bitin zo assis la place de la nation. Nèg maron. Attends, ni nèg maron en France. Ah pas trop quoi que ni nèg maron en France moi. Ah. Bon, tout ça pour dire que effectivement bon nous mobiliser nous depuis le 27 novembre à la place de la nation quand on soutient en Guadeloupe. Nous cherchons à mobiliser un maximum d'Antillais qui en France, en Île-de-France surtout. Au début, bon, il y a des gens, un collectif qui prend naissance, donc on dit non, ils ne m'ont pas employé non là ça parce que les marrons, ça veut dire un lobitain. Et l'objectif là, c'est mobiliser les en Ile-de-France et en France pour porter un soutien à nos familles aux Antilles. Mais on ne peut pas dire que ça prend réellement dans le réel, dans le concret. Donc nous, la nation, depuis des mois, maintien que nous là mais dans le réel vraiment pas ni pour action réelle même pour dire nous semblait mettons l'argent à côté nous voyons délégation au pays ni ça qui j'a descendre qui j'a remonté pas ni pour plan vraiment en place pour ça parce que faut savoir que ni deux catégories d'antillais en France ni un parti d'antillais qui d'accord pour lever et ni un parti d'antillais qui bien de conformité à eux à Paris. Et au pareil, j'ai fait sortir la rue là. Et au pareil, j'ai fait porter un soutien pour ça qui a fait au pays. Et en cas de tirer le tio, il y a même bien s'en foutre de ça qui a fait au pays. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est mobilisation de Maron Doubout. Parce que est-ce qu'il y a suffisamment Doubout pour le mouvement là ça? Mais même c'est là qu'il y a un Maron Doubout là. Est-ce qu'il y a même Doubout pour ça? Parce que est-ce qu'il y a même qu'on est qui Maron déjà? Parce que Neg Maron déjà. Pas tenir tant demander liberté, le Maron te arrache liberté et te monte en bas bois là. Donc si c'est un Neg Maron de façade à Paris, expliquez-moi, je comprends bien là. Pas bah ça, parce que à pas nos mobilisations là alors. Pas de moi. Ah, d'accord. Vous mettez Bayonno, vous Bayonno. Voilà, les mouna qui. On non représentatif. Voilà, les mouna qui mettent en place là, ils ont fait bitaille, mais moi-même, pas de bons affaires Neg Maron. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'ils ont ni l'intention de faire des mouvements? Est-ce qu'ils ont ni des projets? Oui, ni des projets, mais le problème à projet là, faut nous sembler en pile pour nous faire projet là. C'est pas on monte pas là, on monte pas là. Ça veut dire que c'est ensemble nous qui arrivons. C'est pas à Yon des trois. Des grands mondes quoi. C'est le début, il y en a deux et trois, c'est le début. Après, il faut nous montrer masse à 100, 150, 200, 350 monde. Parce que nous masse antillais en France, hein. Pour aller sur 30-50 antillais, l'Assemblée nationale tous les samedis pendant deux mois dans Fradila. Parce qu'il y a fait fret, hein. On va venir travailler tout à l'heure là. Fradila qui démon comme ça là, déonouillé là. Donc, comment antillais qu'on va voir qu'on descend dans Fradila pour soutenir le peuple à Guadeloupe Martinique, et tout ça antillais qui est en France? Ou pas sur qu'il y a un problème de fond, en Canada ou lui, entier en France, bien s'en foutre de ça qui a fait ton pays. Donc pour nous, pour parler d'un programme d'action, et bien sûr, ça c'est belle quand nous menons un programme d'action, mais avec qui monde? C'est là qu'il s'est dans le salon feutré à Paris, là, qui s'est en tant que fonctionnaire dans les petits fours à Paris.
Ça veut dire nous qu'il faut embêter. Il n'a pas foutu que Radio Radio Pays. C'est ça même. Il m'a foutu ça. Hein. Ça m'a foutu. Exactement. C'est bon. Hein. Eh ben, on peut remercier les autres et nous qu'à coda là pour cela et nous qu'à des autres. À très bientôt. Koda. Bye bye. Tiens, bien fort.